Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, grosse vidéo en mode VS où je vais comparer une pizza bas de gamme à 2€, une pizza de moyenne gamme à 15€ et une pizza haut de gamme à 1000€. What? Oui, j'ai bien dit 1000€. Ça a piqué hein. Ça fait beaucoup là, non? Bref, on perd pas de temps, on va aller directement récupérer une pizza à 2€ bas de gamme dans le coin, dans un fast-food, j'ai un peu peur. Ensuite on va aller manger derrière moi à Gabin, à Liens-sur-Seine. Pour moi c'est un de mes cuisines en termes de restaurant, de pizza napolitaine et de burger gourmet. On va y déguster une pizza à 15€, directement de leur carte hein. Et après, Gabin va me créer une pizza à 1000€. Suspense, je sais pas ce qu'il y aura dedans, on verra bien sur place. Franchement, j'ai hâte, hein, celle de 1000€. Je pense que je vais bégayer. Bref, vous êtes prêts? Parce que moi je le suis, c'est parti, let's go. Bon les amis, je suis arrivé au restaurant Gabin avec la pizza à 2€, j'ai acheté dans un fast food. J'ai vraiment pas envie de la manger, bref, c'est pas grave. Ensuite, ils vont me faire la pizza L'Angelo avec la bressaola, de la burrata, de la truffe fraîche à 15€. Et après, Sydney qui est juste ici. Salut les gars. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Super, j'ai la forme là, j'ai envie de manger une pizza à 1000€. Ah, on va te faire une pizza de folie. De 1000€, tu vas me la créer là? 1000€, je vais te la créer. Ok, ça marche. Challenge relevé. Dis-moi ce qu'il y a dedans. Je vais te présenter très rapidement les ingrédients. On a du sel noir d'Hawaï, on a du sel bleu de Perse, on a du safran, épice très cher, plus cher que de l'or. On a de la fleur de neige, c'est un sel très particulier, très cher. On a de l'applewood, c'est du bois qui vient de Californie, du bois de pommier. On a du sel rose d'Himalaya et on a toute une gamme d'eau qui oscille entre 10 et 20 euros la bouteille. Ah, quand même. Canada, Danemark, ouais, on a de l'eau très riche, de l'eau noire en électrolytes, de l'eau d'un glacier d'Islande et de l'eau qui est d'Elzenman qui vient d'une des plus vieilles sources au monde. Et on est sur une farine Evolutiva, donc une farine au blé ancien. C'est une race qui a été retrouvée de blé et c'est biologique et ça coûte très cher, 60 euros les 12 kilos. Ça c'est pour la pâte de ça. Alors sauf ça okay. C'est pour le fumer, mais sinon tout ça c'est pour la pâte parce que la pâte okay. La pizza, elle contient de l'eau, des levures, du sel et des farines. Et donc on a pris que des ingrédients juste pour la pâte qui coûte très cher. Et mis à part la pâte, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Alors après on va avoir une recette assez étonnante avec pas mal de surprises encore, il y a tellement d'ingrédients que je me rappelle. Oh là là là. On spoil pas tout, j'ai hâte. Voilà. C'est parti, let's go. Let's go. 10 seconds later. Alors donc là sur la pizza, on va retrouver en base une crème au safran avec beaucoup de safran. Ouais, je vois ça, elle a vu la couleur. On va avoir donc de la mozzarella fior di latte au lait des montagnes. On va avoir de la tomate variété ancienne, tomate verte, donc juste en pointe un petit peu. On va avoir de l'aubergine cuite pendant 7 heures à la napolitaine. 7 heures. 7 heures de cuisson, c'est une sorte de ragoût d'aubergine un petit peu. On va avoir des langoustes fumées au bois de pommier qui vient de Californie. On a des tuiles de parmesan aux herbes fraîches. On a des pousses de radis pour ajouter un petit peu de couleur et un peu de croquant. On va avoir une ricotta de bufala aux herbes fraîches. On a un caviar de truffe. On va avoir de l'or, feuille d'or 24 carats, poudre d'or et enfin on va avoir de la truffe. Truffe fraîche, la base. Voilà, mélanosporum. Ouloulou. Super. Bah écoute, j'ai hâte hein. Ouais, bah c'est parti, let's go. A few moments later. Bon c'est parti, précision, on est au restaurant, c'est fermé, hein. On est à la coupure entre 15h et 18h, donc franchement c'est fermé, il n'y a personne. Heureusement, première pizza, pizza à 2€, no joke, c'est bien 2€ dans un fast food, voilà, elle dégouline de gras, d'eau aussi, no comment. Bon, si je fais ça, je peux la couper. Pas beau à voir ça, hein. Ça se coupe comme du beurre, pas bon signe. Bon alors, en même temps 2€, hein. On dirait une pizza industrielle quoi. Elle est froide en plus. Je vous dirai pas le nom du snack en question. Pas une fois mauvaise pub. Honnêtement, c'est pas bon quoi. Là, je mange pour manger. J'apprécie pas. Bon, j'ai mangé une part. Honnêtement, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais la finir. Et après, on va passer à la suivante. La pizza à 15€. L'Angelo avec la bressaola, la truffe fraîche, la burrata. Ça, c'est une pizza qui pose ici à la carte et c'est une tuerie. Bon, on finit ça. A few moments, t'es très la terre, ouais. Pizza, 1000€.
Pizza, 1000 euros. Oh. Et voici. Attends, tu vas rester ici. Je vais tuer ma diète pour toi, là je suis bien, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, on a un emplatement très particulier, donc avec, comme vous avez vu précédemment, des sels particuliers, une farine particulière, de l'eau particulière. Ça, c'est pour la pâte. Ensuite, on a une crème de safran, mozzarella fior dilaté au lait des montagnes. On va avoir de la crème de bufala aux herbes fraîches. On a de la langouste fumée et cuisinée au ruinard. Shiitake cuisiné aussi au ruinard et au beurre et aux herbes fraîches. On a des tuiles de parmesan affiné 24 mois avec persil plat, on a des feuilles d'or 24 carats, on a du caviar de truffe, on a des jeunes pousses de radis, on a aussi des petites pointes de tomates vertes anciennes, donc c'est une variété très très ancienne de tomates, extrêmement bonne, cultivée par un artisan dans le sud de la France. On a de la poudre d'or sur la pâte. Ça sent super bon. En fait, c'est Noël ou quoi là? C'est Noël avant. Attends, mais waouh. Écoute, Sinéa, je te remercie. Je t'en prie. Pizza à 1000 euros, merci. Là, honnêtement, je vais me régaler. Bon, c'est parti, pizza 1000 euros. Après le kebab à 1000 euros que j'ai fait au restaurant La Boule à Drancy, la pizza à 1000 euros au restaurant Gabin à Asnières-sur-Seine, dans le 9-2, j'ose pas toucher. Elle est tellement belle, elle sent bon. J'ose pas quoi, j'en bégaye limite. C'est juste les feuilles d'or, t'as pas de goût. Par contre, la pâte elle est faite différemment, je sais pas comment ça va être. En tout cas, elle a bien levé, hein, franchement. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de fermentation, finalement c'est 48 heures minimum. Mais là, en peu de temps, chapeau. Vais-je refaire le bisou à 200 euros, vous vous souvenez, hein, la bouche pleine d'or. Qui veut un bisou à 200 euros là? Celui qui veut un bisou, 200 euros. Hier, je vais me passer sur M6 par rapport à ça. Bref, coupe par où là? Je sais pas moi. Bon, laisse pas avant. Donc, faut la manger quand même. La coupe délicatement. Car alors, c'est ultra volatile. Hein. Comme on peut voir, ça vole de partout. C'est moi, la pizza est plus grande que l'assiette. Elle dépasse. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la part. Hein. Ah, voilà, je vais même faire tomber du coup la langouste. Je vais la récupérer, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, allez, je la récupère. Langouste. Y a pas à dire, hein. C'est super bon la langouste. Hein. Là, il y a la tuile de parmesan. Très bon. Une feuille d'or, ça n'a pas de goût. Ah, les tomates vertes, là. Bon, est-ce que l'ensemble se marie bien? On dirait un enfant. C'est Noël. Les enfants, c'est les jouets, l'Action Man, les Playmobil, machin. Alan, c'est les pizzas à 1000 euros. Ou les trucs, la bonne bouffe, quoi. Pas forcément 1000 euros, mais là... Non. Bon, je vais manger. Et je vous dirai un bon ressenti final à la fin. C'est fumé. Bah ouais, parce qu'on l'a fumé 6 fois pour que ça dise pour voir la pluie. À chaque ciné, c'est vrai que je dis que c'est très fumé. Hein. C'est très bon, mais faut aimer tout ce qui est fumé et tout. Hein. Franchement, c'est pas mal. Et tu vois, bizarrement, comme les pizzas à 15 euros sont travaillées, c'est des bonnes recettes, je préfère celle-ci que celle à 1000 euros. Même si celle à 1000 euros, elle est exceptionnelle en termes de produits. Mais l'ensemble, ça vaut pas une pizza à travailler depuis des années. C'est quoi. Simple et traditionnel. Mais la pâte, elle, pour moi, elle est pareille. Hein. Certes, l'eau est plus chère, voilà, mais les différents sels plus chers aussi, plus nobles. La farine aussi. C'est vraiment la différence. Non. Mais c'est bon. Hein. Ouais. Impeccable. J'ai plein d'or partout, mais waouh. Bon, on a bouché. Pizza 1000 euros. On est plein les mains. Abri de partout. Rien à dire. Hein. Franchement, une tuée. Une deuxième, comme ça là. Je crois qu'on a déjà tout rangé déjà, malheureusement. En même temps, vu le coût total de ce qu'ils ont acheté, je comprends qu'ils ont pris en petite quantité, hein, ce qui est logique. Bon, tant pis, pas de deuxième pizza à 1000 euros, hein, même si j'aurais bien voulu. N'empêche, ça cale bien. Hein. Comme ça, plus celle juste d'avant, consistante. Bon, la première, pâte fine croustillante, ça cale pas ça, c'est l'apéro. Mais celle-ci là, les bonnes pâtes épaisses, généreuses en mode napolitaine, parfait. Bref, comme d'hab, hein, si vous aimez cette série de comparaison de produits de bas de gamme, moyenne gamme et haut de gamme, pensez à liker, je compte sur vous, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est encore le cas, petite cloche pareil, pour les notifications. Suivez-moi sur Insta, Snap, Facebook, surtout sur Insta et Snap parce qu'il y aura plein de vidéos en relation avec Insta notamment. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao !